Et salut à tous, c'est Galax, c'est bien aujourd'hui sur Call of Duty World War 2. Très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure du Let's Play aujourd'hui pour la mission Bastion du 26 juillet 44, lendemain du coup de l'opération Cobra. C'est parti. 26 juillet. Nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel. Mais je finis par faire encore le même rêve. Arrêtez-le dessus! Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. Arrêtez-le dessus! J'essaye! Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert! Vite! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place, notre boulot! Ce sera de le couvrir depuis cette église! Pas de question? Bien! J'ai une question! Garde-la, Stiles, ça te fera un bon point. Allez! Je crois que je suis son chouchou! Ça te fera un bon point. Allez, prenons l'église, c'est parti! Alors, prenez l'église, capacité d'escouade, appuyez pour demander une frappe de mortier à Ayo. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, toi, tu peux me filer ça, s'il te plaît, merci. File-moi ça, merci la grenade. Pour demander une frappe ennemie, vous êtes chaud, c'est parti, je la lance! Je lance ici, j'espère que ça va bien viser. Logiquement, c'est pas sur mes alliés, c'est sur mes ennemis. Regardez, normalement, ça devrait taper là-bas. Oui, bien, ouais, j'en plein milieu. Oh là là, la frappe de mortier qui fait plaisir. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on peut en demander plein? C'est trop fun. Vas-y, meurs. Nice. Oh putain, la voiture qui pète. La voiture qui explose. Il y a du monde qui arrive là-bas aussi, attention. Du monde qui arrive là-bas. Zosman qui passe devant. Ok, c'est vraiment excellent, franchement, ce jeu. Allez, on rentre dans la maison, on s'en fout. On est des fous. Attention, je t'ai vu. Bah, on pense une grenade au pire. Grenade là-bas, si besoin, on sait jamais. Qu'est-ce que ce jeu est fluide? Eh ouais, ça a pété mon pote, t'as été obligé de bouger. Toi, tu meurs aussi. Tu m'as vu? Ok, attention, baisse-toi. Laisse-moi recharger. Ok, tout va bien, c'est bon, c'est mes potes, ils sont là. Oh, tu vas te calmer, toi. Il m'est venu dessus, le saligo. Le mec, il met 10 ans pour tirer, c'est trop facile. Y'a personne, ok. Je crois que j'ai vu quelqu'un, là, je suis pas sûr. Non, c'est bon. Ah, il me semble que niveau sensi, là, j'ai changé, je dois être sensi... sensi 6, il me semble. J'étais sensi 4 à la base. Enfin, je sais plus, bref, combien je suis au niveau sensi. Il me semble que j'ai augmenté légèrement. Donne-moi ça, vite. Ils sont où? Ok. Attendez. C'est parti, balance. C'est quand tu veux. Voilà. C'est parti. Le mortier sur le véhicule. Mais non, mais c'est un fumis, ça, mais quel con. Attendez, je suis débile, moi. Mais ça, attends, mais ça, c'est une grenade. Mais tu m'as filé quoi, en fait? Je crois qu'il m'avait filé le truc de mortier, mais pas du tout. Non, c'est une grenade, en fait, qui m'a filé, je crois. C'est pour vous, les filles. Cadeau. Attention, remets-toi, avoir besoin d'une trousse de soins. Oh putain, ça arrive là-bas, attention. Oh là là, ça arrive. Trouvez un abri, planquez-vous vite. Ça débarque ici. Mec, tu veux que je t'aide? Comment ça se passe?
À niveau arme, je suis pas super là. Il faudrait une arme un peu plus précise quand même. Hein. C'est un peu compliqué tout ça. Ah, il y a du monde. Attendez, vas-y, tu. Ouais, je peux l'aider? D'accord. Tu vas t'en tirer. Allez, il faut que je l'aide. Tire-le. Mais tire-le, bon sang. Accroche-toi, l'ami. Accroche-toi. Moi, je prends une trousse. Pour être sûr. Je l'ai sommé, ça peut aider. Niveau carabine. Ah, j'ai une carabine, c'est peut-être une arme beaucoup plus précise, ça, je pense, ouais. Attendez. Ah, apparemment, ça y est, j'ai les jumelles. Oh putain, il s'est fait shooter lui. Chaud. M1 garant. Ah, c'est bien ça aussi, attends. Mais j'ai quoi? M1 comme ça. Je préfère la M1 garant plutôt. Je vais plutôt prendre ça, j'ai plus l'habitude. Je crois qu'on l'a utilisé au début. Ah non, c'est pour maniquer les ennemis, ok. Il va mourir, oui. C'est Dieu. J'arrive pas à bien le viser, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Attendez, il nous propose des choses. Ah d'accord, secours. Merci pour la trousse de secours. Et toi, ah voilà, t'as le lancer, attends. Je vais demander de le lancer parce que là on est un petit peu encerclé. C'est la mouise. Là-bas. Allez, mortier. Ça va faire mal, regardez bien. Ça va faire très très mal, tu vas exploser toi. Ah, c'est tellement excellent, putain. Je kiffe. Yes. Ah, le retour de Call of Duty à la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose, les amis. Hein. Franchement, défendez la zone. Ok, je défends la zone. Attention. Oh merde. Attends. Faut que je prenne la tourelle, ok. Prenne la tourelle. C'est parti, mon gars. Tu dégages, toi. Moi, je veux la tourelle. Ça va être du lourd, ça. C'est parti. Prends une petite angoisse. Ok. Tu vas te taire, toi, là-haut. Ah, ils sont plusieurs. Ah, les avions, ok. Oula! What? Je me suis fait exploser, je crois bien. Allez, c'est lui là-bas. Il arrête pas de nous exploser la tronche. Il y a toujours quelqu'un là-bas. Bon, allez, go maintenant. La mitrailleuse, s'il vous plaît. Ils sont avec moi, eux, c'est bon. Tranquille. Mitrailleuse. Maintenant qu'on a tué celui-là là-haut, logiquement, je devrais pouvoir prendre la mitrailleuse sans me faire déglinguer la tronche. Normalement. On l'a déglingué, on s'est bien fait chier. Faut pas déconner. Meurs. Suivant. C'est bon. Ok. On a réussi. T'as mis l'autre, il nous a dégommé 50 fois, hein. J'ai pas compris. Hein. C'est pas grave. Allez, je vous aurais coté, je pense, parce que c'était n'importe quoi. Par ici. File-moi la trousse. Ça au moins, j'en aurai 4. On défonce. Attention, faut nettoyer l'église. Ils sont passés où? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. D'accord, apparemment il n'y a plus personne. Tant mieux. Du coup j'ai deux armes et j'ai pas de mitrailleuse, rien du tout, attention. Oh putain, ils sont là-haut, attention. Une balle à mort. Ça c'est du propre. Franchement les gars, ça c'est du propre. Eh non. Objectif loupé d'une balle à mort. Ça avait bien commencé pourtant. Ok, merci. On prend les munes. Oh, lance-flat. Oh oui. J'ai plus de grenade. Merde. Ok. Tranquille. Voilà, c'est bon. Ça me paraît pas trop mal tout ça. Je recharge tout. Il est où l'autre? Je vois pas. Perso, je l'ai pas vu, je vais avancer un petit peu. Attention, te fais pas surprendre, Galaxou. Te fais pas surprendre, avance pas trop. Surveillez non plus. Je les vois pas. Apparemment, ils sont là-bas, mais je les vois pas. Allez, faut que je passe par le côté, je pense. J'arrive. T'es là, toi, ok. Ok. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle est bien, la M1 garant, franchement. Putain, ça doit pas. M'a surpris. Ok, nice. Ah, attends deux secondes, là je vois un truc intéressant. C'est quoi, c'est pas une trousse de soins? Si, je crois. Ok. Daniels, vérifie cette porte. Je me dirige vers la porte. Boche à battre nos chasseurs. C'est ça, Danielo, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent. Daniels, Stiles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. T'en fais pas, je te couvre. T'as intérêt.
Tout le monde à l'escalier, allez! Oui, sergent! Qu'est-ce que j'ai comme arme au fait? Ah, j'ai une carabine, l'autre, ok. Moi, je préfère garder ma M1 et le chargeur de la M1 niveau. Oh, niveau sonore, qu'est-ce qui est... Allez, chef! J'espère que personne n'a le vertige! Ça changerait quelque chose? Non! Eh ben, ça tombe bien, j'ai le vertige! Merci beaucoup! Allez, j'aime la guerre! Sauf quand il faut monter aux échelles, ça j'aime moins. Ah bah, une chose est certaine, je n'aurais pas pu faire pour le pompier, là franchement c'est sûr. Ok. Ah! Snipe! Je prends le snipe du coup, ça va être lourd ça. Ah, je crois que c'est le premier snipe qu'on a dans le mode multijoueur. Cible, ok. Bonjour! Ah, je mets 10 ans pour jeter par contre. Protéger Zossman, c'est bien, wesh, ça recharge. Ouais, je sais, je mets 10 ans, vous en faites pas, c'est normal. Faut que je le protège. Ennemi près de la voiture en feu. Merde, excuse. Ah, je mets 10 ans, sérieux, pour trouver un truc. Yes, trouvé. Attends, cible ici apparemment. Je vois pas. Ah, ok, ok, je vois, je le vois, je le vois. Salaud. Tiens, prends ça. Recharge, recharge, je surveille les fenêtres. Ok, donc il est là, c'est bon, j'ai vu l'impact de balle. Là il est mort, il lui fallait deux balles. Il reste un canon, tiens, rien dans la cour. Il a aucun servant, mais ouvrez l'œil. La cour, attendez. Ah mais là. Oh là, il est beau. Recharge encore, qu'est-ce que c'est excellent les phases de snipe, j'adore. Ok, c'est soit tu vises bien le headshot, soit tu dois absolument lui tirer de balle. C'est bon là? Non, c'est pas fini encore. Attention. Headshot, nickel. Tu l'as eu. Intensifie le tir par là. Ok, c'est pas trop mal. Il reste des cibles encore. Ok. Bah tout roule. C'est pas mal. Attends, est-ce que tu peux me les trouver toi? C'est pas mal. Merci Pearson d'avance. Attention, apparemment c'est là-bas. Ah oui. Effectivement. Merde, merde, merde. Recharge vite, dépêche-toi. Effectivement, parce que je peux demander à ce qu'il me les cible. Obligatoire non plus, hein, mais c'est cool. Ah merde, excuse-moi, je me le disais. Voilà. Pourquoi je recharge? J'ai l'habitude de recharger à chaque fois, ça c'est le débutant. Ouais. T'as fait un double là par hasard? Non, même pas. Ok, c'est pas trop mal. Putain, ça décanille, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça décanille de ouf. Ok, t'inquiète, je te protège. Ils sont où les autres? Encercle, ok. Ah, je peux faire péter. Voilà. Je l'ai fait brûler, super. T'inquiète, je les couvre. Ok, je vois personne pour l'instant. Attention, ça passe là-bas. J'en profitais pour recharger la ski qui se passe rien. Oh putain, merde. Bien joué. Oh, l'explosion. Et j'avais bout de l'église, ok, faut fuir. Oh. Ah merde. Oh mon dieu. Waouh. Je suis là. Accroche-toi. Oh bordel. Sortez de là. Mais je t'ai pas sonné. Ouch. Oh bordel, oh bordel. Dépêche-toi. Bouge-toi, cul, allez. Oh la vache.
Nous que là, faut se dépêcher. Tout qui s'écroule, on voit plus rien. Ah, merde. Allez, centre. Non, sergent! C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien! Oh, nom de Dieu! Je viens juste de perdre deux bons soldats! On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons! Allez! Allez! Je vois pas juste mal! Vous défendre la place principale! Si c'était ensemble, quand tout s'est effondré! La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position! J'engage l'ennemi! Ils ne peuvent pas monter ici! Pour prendre notre position, repoussez-les avec ce lance-flamme. Entendu. J'en ai besoin maintenant. Attrape ça. Sergent, montrez-les-moi. Vous avez vu un lance-flamme, vous? J'ai pas vu de lance-flamme, moi. Qu'est-ce qu'on a? On a un fusil à pompe aussi, là. On a fusé la pompe. Ok, je prends le pompe plutôt. Histoire de changer un petit peu. Si ça se rapproche comme ça au moins, je suis paré. Le canon est toujours opérationnel. Ok. Grenade. Vite fait, bien fait. Attends, c'est pas un lance-flamme ça? C'est un lance-flamme ça? Merde. Dégage. Ok, il y a un lance-flamme, attendez. Moi, il y a un lance-flamme, mais j'arrive pas à le prendre. Il est où? C'est pas un lance-flamme, ça? Tu te fous de moi? C'est un fusil. C'est pas un lance-flamme? Pourquoi ils me disent que c'est un lance-flamme? Je comprends pas, là. Merde, ça vient par là aussi, fait chier. Putain! Ah, le canoncier, par contre. Ah, attention. De secours, vite, vite, vite. Tours de secours. Ok. Il est où leur foutu lance-flamme? Je sais pas où est-ce qu'ils voient un lance-flamme, hein, personnellement. Ou alors c'est que je sais pas comment le sélectionner. Meurs. Bien joué. Fumigène rouge. Fumigène. Bouge. Fumigène. Fumigène. Je lance. Trousse de secours, merci. Et j'ai pas trouvé ce fichu J'ai pas trouvé ce fichu lance-flamme, hein, par contre, hein. Oh là là, ça pique. Justement. Ça va. Bien joué les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite. Ça, c'était du beau boulot, soldat. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre.
Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire la seconde mission, enfin une seconde mission, parce que ça me paraît un petit chouïa court, donc j'ai hâte de voir ce que va proposer la prochaine mission. C'est parti. Depuis un mois, nous avons resserré l'étau autour des derniers Boches en fuite en faisant route vers Paris. Mais comme un serpent pris au piège, je suis sûr qu'ils vont encore frapper une dernière fois. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE. Les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. Nous avons reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE ? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'était un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire, c'est un véritable bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la résistance Rousseau nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vos mains. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien bavé. T'es qu'une vieille nostalgique. Bon, voilà la cible. On dit beaucoup de mal des Boches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 km. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut, chut, chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Vivian et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Daniels, vu tes exploits avec Zussmann à Marigny, tu fourniras un appui-feu. Allez. Ok, go. Baissez-vous tous. Utilise ton silencieux. Ok, au silencieux donc, il faut se faufiler. Alors, je l'ai jamais assez dit depuis le début, mais honnêtement, les cinématiques sont magnifiques dans ce jeu. R3, éliminer silencieusement. Ok. Voilà, élimination furtive. C'est génial, on peut se coucher aussi. Tu es l'officier quand je veux, mais discrètement du coup, c'est ça? Ah, quand je veux, donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Non, apparemment on me dit que je dois le tuer. Bah attendez, on y va? C'est parti? Ah bah d'accord! Mais il tire avec moi, j'avais pas compris. Restez caché de ne pas retourner les ennemis passant en état d'alerte quand la jauge est pleine. D'accord. D'accord. T'inquiète, je reste avec lui. J'ai entendu une musique bizarre. Ça m'a foutu les jetons. Chut. Attention. C'est beau ça. On bouge. On va où? Crowley, on va où? Moi je te suis hein. Attends, faut tuer les deux dehors là. Ouais. On va s'occuper des deux dehors. D'accord, j'y vais. Salut mon gars. Ok. Il faut arrêter le train. J'aime bien les trucs d'infiltration. Avant, quand j'étais jeune, j'aimais pas du tout l'infiltration. Maintenant, j'aime de mieux en mieux. Même si je suis pas très très bon encore, j'aime de mieux en mieux. Ok. On passe sur le côté. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Il m'a pas vu, hein. Ouais, d'accord. Allez, vous me voir par contre. Salut. Merci. Ah, je pense pas qu'on peut passer par là, du coup, il faut passer par ici. C'est la mouise. Ah, ça bouge, ok. Attention.
Je tente le coup ? Je tente le coup. Barre-toi vite. C'est bon, il est passé. J'aurais peut-être pas dû le tuer parce qu'ils vont peut-être le voir. Ah d'accord, je peux pas aller plus loin. Ouais, mais en fait, c'est très linéaire parce que c'est bloqué par des troncs. Tu peux pas décider toi-même où tu vas. C'est ça qui est bizarre. Ouais, ils sont trop nombreux. Ouais. Attention, je crois qu'il m'a vu l'autre. Il m'a vu ou pas? Ah, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, ouais. Attendez qu'il arrive. T'entends un petit... Toum. C'est marrant. Il vient ou il vient pas? Attendez, tranquille. Il arrive. Tais-toi. Fais dodo. Attention. Merde. Eh merde. J'ai loupé la séquence d'infiltration, les gars. Je savais très bien que c'était pas pour moi. Oh merde. Changement de programme, on s'est fait repérer. Y'a quelqu'un derrière? Attends. Ah oui. Salut. C'est un chien, ça. C'est un chien, bordel. J'aime pas tuer les animaux, perso. Ok. Ah, je l'ai mal joué là, mine de rien. Je l'ai très mal joué, je suis très déçu. C'est quoi ça au fait? Je sais pas, on s'en fout. Oh là là! On est dans la mouise là. On est dans la mouise! Turner, ok, ok, ok. Oh merde. Attends, j'arrive par là moi. J'arrive par là. Aide-moi! Tu t'en fous, d'accord. Alors attends. Envoyez-moi tous les gars! Prends tes munitions, Daniel. T'inquiète, munitions. Prends des munitions, chef. Merci. C'est gentil. Allez, c'est parti. T'as le côté Brother in Arms qui est juste excellent, quoi. Ah, mon collègue qui est au sol, c'est pas cool. Il est partout. Chaud, chaud, chaud. Grenade à peu près. Prends ta trousse, par contre. Je peux passer par là, tiens, je vais les contourner un petit peu. Salut les filles, ça roule? C'est pour vous, cadeau! Cadeau de la maison! Bonjour! Un cadeau! Grenade qui fait plaisir! Ça fait combien de balles par contre pour tuer un mec? C'est assez incroyable avec cette arme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pistolet classique? Ah non, on a un pompe! Ah, c'est pour ça, fallait le dire! J'arrive. Bonjour. Ok, jump shot. Je kiffe ça. Daniel, la porte. C'est bon. Ok. Oups. Allez, phase de conduite. Oh, je sens que ça va être énorme. On y va. Faut qu'on arrête ce train. Allez, allez. Ouais, je roule, je roule. Merde, attention. On reste sur le chemin. Wow. Ah merde, faut passer par là. Si, c'est par là. Je pense. Garde-toi bien. Wow. Tu le vois? Là-bas, venez, dégage. Ok, je le vois. Oh! C'est du grand n'importe quoi, ce jeu. Virage en droite! Oh, merde! Excuse! Mais non, il est encore là! On le perd pas de vue, t'inquiète! Je suis chaud! Wouah! Ça pète dans tous les sens! Merde, il nous tire dessus! Eh ben, je suis à fond sur champignon! Je suis à fond sur champignon, je peux rien faire d'autre, mon gars! À fond, chez à fond. Wouah! Plus vite, t'es bien gentil. Et moi alors, tu crois que je le sens bien là? Vas-y alors, prends le volant. Oh oui! Ah d'accord, ils sont là-haut. Mais non, ils sont là.
Génial, rail shooting. Indispensable à un call-off, moi je vous le dis. Essaie de les toucher. Ils sont là. Maintiens la trajectoire. Ils balancent des grenades. Effectivement, ça balance des grenades. Pas évident. On doit atteindre la locomotive. Il me reste plus beaucoup de santé avec le véhicule. Hein. Oh, c'est reparti! À l'intérieur du wagon! Ok, ok. C'est pas encore fini! C'est chaud. Mitrailleuse! Vite! PPT! Solide, Alien! Sors-nous de là! Ils pourront pas nous toucher si on se rapproche! On est pas bien! Envoie cette fichue grenade! Oh putain! Oh my god! Oh merde! Oh! C'est très américain. Putain de merde! On vient de faire ça? Content qu'on s'en soit tiré! Waouh, ça fera date! J'espère que Styles a des photos! Personne ne nous lâcherait peut-être même pendant 5 minutes! Fais gaffe! Suivez-moi, faut rejoindre votre section. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se dépêcher. Ok. Rejoindre les squads, s'il te plaît, file-moi une trousse. Tant qu'à faire, merci Zeus. Sur les wagons. Ok, merde, je croyais qu'il me restait une munition, pas du tout. Ok, c'est chaud ça. Ils sont pas tous morts. Ouais. Ok, on passe au-dessus. Bon, attention. Ok. Meurs, tu pars pas toi. Utilise ma trousse. Fraîchement récupérée. Ou une ancienne, peu importe. Ah merde, faut carrément se coucher, d'accord. Ok. Attention. Il est mort lui, c'est bon. Merde, il est mort, pour que je shoote moi, n'importe quoi. Le mec qui attend, il shoot. Est-ce que j'ai rechargé ça? Ouais, c'est bon. Retirer silencieux. Ouais, on s'en fiche de toute façon hein, du silencieux, je vous dis franchement. Envoyez. Oh putain! Chaud! Envoyez la grenade. Attention, vite la trousse parce que là je suis pas bien. Vous aurez pas une trousse là juste derrière là, ce serait pas mal. Non? Du tout, d'accord. Bon, vous les filles! Cadeau! Ah bien joué, ça a été touché ça. Est-ce que vous passez là-haut? Non, du tout. Petite grenade pour vous les filles. Bon attention, apparemment ça a envoyé de la grenade je crois. Il me semble. Y'a pas un lance-lame j'ai vu dans le coin là? Non c'est pas un lance-lame, c'est une arme classique. Dommage. Ça aurait été cool. Attends, je pense une petite fumée tiens. On va essayer d'y aller avec une fumée, ce serait pas mal. Merde, fais chier le chien. Vite, trousse.
Dépêche. C'est bon. Vas-y, en voilà par ici. Trouve ça. Merci Zeus. Ok. Cadeau. Petite grenade. Ah, je croyais qu'il était avec moi lui, tiens. Pour le coup. T'es avec moi. Lui, ouais. Je crois bien que ce sont des hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau. Elle est du maquis, résistance française. Elle a tué un Boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ils apporteraient plus d'ennuis qu'autre chose. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, désolé que tout n'ait pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route. Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez... J'ignore comment, mais Zeus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre coriace. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la Résistance. Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. En faisant sauter ce train, nous avons offert un peu de temps à Paris. La Résistance va pouvoir utiliser les documents récupérés pour infiltrer un QG nazi dans la ville. J'ai vraiment hâte. Et bah voilà, bah écoutez, on a terminé cette mission, deuxième mission du jour, aujourd'hui deux missions effectivement, parce que voilà, je trouvais que c'était effectivement un petit peu trop court de faire qu'une seule mission, donc je sais pas combien de vidéos il y aura pour ce jeu, on verra bien. En tout cas, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très très vite pour la suite de Call of Duty World War 2, il est vraiment excellent franchement, qu'est-ce que c'était épique la séquence avec le train. Bref, merci à tous, un petit pouce bleu encore une fois si ça vous a plu, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde.